toujours dans ce lac. Ah, je pense chasser ce monstre de Silure. Toujours rien. Pourtant, ça fait peut-être 4 heures que je pêche. 4 ou 5 heures que je pêche. D'après les renseignements, les Silures seraient ici, hauteur. Serait à cette hauteur. D'autant que vu là-bas, on dit qu'il y a des dégâts qu'on fait là-bas. Ah, du coup. On m'a parlé qu'ici c'était beaucoup plus profond faire du silure. Je sens que ma quête est pas finie. Là je suis assez pas fini. Ma journée va être longue. Très longue. Salut les amis, encore sur la vidéo du silure. Depuis ce matin, aucun. D'après qu'ils sont trois, j'ai fait tous les temps. On a commencé par le barrage. Que l'eau est plus profonde, on m'a dit que c'était souvent sur le barrage. Ce matin, on a essayé, et moi j'ai essayé, j'ai rien fait. Pas un seul silure, rien que dalle. On a continué de l'autre côté, il n'y a rien non plus. Je pense que quand il fait chaud, ils sont simplement sur les arbres. Et là, j'y suis, j'attends peut-être un peu que ça morde. Technique. Alors, en fait, je suis en fait, je me demande s'ils sont en barrage. C'est certainement parce qu'ils sont peut-être au niveau du pont. Certainement à l'ombre. Il fait très chaud. On va essayer, on va aller bouger. On va aller voir ça. On va essayer de pas glisser. S'il y avait une chasse, la pêche au silure, c'est une chasse. Là, c'est des tripes dans une chaussette en fait, avec de très gros hameçons. Vous voyez là, là aussi il y a de l'ombre. Je cherche les canards. Des canards. Bon, s'il y a des canards, il n'y a pas de silure. Sinon, ils auraient bouffé. Voilà, ça veut dire que il y a la présence de silure ici qui n'a pas eu le temps de les bouffer. Tant mieux. On recommence. Dans la chaussette, j'ai mis. Oh, regardez. Une belle carpe. Il y a une carpe qui vient de passer. Ça fait deux fois que je me donne une carpe. C'est ça qu'à mon avis qu'ils ont dû avoir peur. Dans ma chaussette, j'ai mis des tripes. Des morceaux de poulet. Et j'ai même tenté mon poisson articulé à billes ce matin. Rien, zéro. Que dalle, ils sont pas appréciés, ils n'ont pas aimé. Il fait bon, il fait bon à l'ombre. Il doit faire 37 degrés à l'extérieur. Il fait chaud. Très chaud. Là on est à Savenay. Dans le lac de Savenay. Je vais faire un peu plus loin. J'espère qu'il y a une plage. Tu vois, peut-être ici. D'après qu'il y a trois silures ici, ils sont trois. Donc je me dis qu'ils sont deux. Je me dis qu'ils sont plusieurs. Je pense que je ne sais pas trop exactement combien il y en a. Splash. J'ai pris ma Travel 500 comme canne pour pêcher. Il faut ce qu'il faut. C'est pas du brochet quand même. Ça commence à sentir, je sais pas si c'est les tripes qui commencent à puer. Ce matin j'ai rencontré que deux carpes,
espérer trouver des cigares quand même, on est là pour ça. La Travel 500 avec le moulinet Mitchell. Oui. Je sais pas si vous le voyez là, il faut ce qu'il faut. On m'a dit que les cigares étaient près du barrage. Là, on y est au barrage. Mais je me dis qu'en même temps, s'il y a des cigares, ils sont peut-être à l'ombre. Puis ce matin, je suis en train de pêcher. Je n'en ai trouvé aucun. Je sais pas si c'est ma technique qui est mauvaise ou pas. Tripes, chaussettes. Je sais pas s'ils apprécient en fait. Je vais l'outil. Allez, gentil cigare. On va prendre son micro. Ouais, ça tourne. Bon. Ah, je sais pas ce que c'est. Je dois être accroché. Non. Décroché. Ah. À mon avis. À mon avis, je pense que j'ai dans trop bien. Oh. J'ai peut-être dû en trouver un. Ouais, les tripes sont toujours, c'est dur ça. Je vais voir si dans mon mélange. Dans mon mélange. J'ai encore la merguez du poulet. On peut s'articuler. On va balancer tout ça à flotte. Là j'ai une merguez du poulet. Tenter de les faire venir. Je vais en rajouter aussi au niveau de l'hameçon. Là j'ai fait un petit deux chaussettes pour pêcher la chaussette. Une deuxième. Je vais rajouter la viande bien pourrie, bien chaude à l'hameçon. Hop. Ça glisse sévère. Allez, un deuxième. Je vais rajouter un autre au premier hameçon qui tient la chaussette. J'ai envie de décrocher la chaussette du triple son. Voilà. Hop là. Ce qui sera dans la chaussette se videra, c'est pas grave. J'ai aussi des merquez, couscous massis, couscous pochiche, merquez. Désolé, ça glisse, ouais. Et là, morceau. Voilà. Ah ouais, couscous. Il manque plus que la semoule. Bon. On va pouvoir voir ce que ça donne. Attends le quittage.
On a aussi notre... On a aussi notre poisson laser. Je suis désolé, mais les vidéos, elle est vachement sombre. On a l'impression qu'on est en train de pêcher une nuit. Alors qu'en fait, il fait jour. D'abord, lancé loin. Et enfin, c'est cool. On va retenter au niveau du barrage. Ah, peut-être qu'ils sont en dessous. Peut-être que l'eau passe en dessous. Je ne sais pas si. Ah non, ça m'étonnait parce que c'est un barrage. C'est censé. Ah. Ils sont trois. La question, c'est de savoir où ils sont. J'ai une vraie guidée depuis ce matin. On va retourner là où j'étais. Quelque chose me dit que mon premier intuition était la bonne. On va aller voir ça. C'est ce qu'on dit souvent, la première intuition est la bonne. Donc on va tester. Il y a un petit... partie une petite partie j'entendais du bruit. Ah. Ça se trouve ils sont peut-être là en dessous des arbres. Ouais. Ça remonte. Ça brasse, ça brasse, ça brasse au niveau du pont. On va réessayer. J'espère vraiment. Tout le monde nous dit que c'est ici. Oh, c'est quoi ça? Ils disent qu'il y a plus de profondeur. On va aller ici là. On va essayer de prendre la présentation au vent parce que ça souffle quand même pas mal.